Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une heure et demie. Il est 16h déjà, il est bien tard. Et aujourd'hui, comme toutes les deux semaines, j'ai la chance de recevoir Monsieur Kyle Webster. Bonjour Kyle. Bonjour Franck et merci de m'avoir. Salut tout le monde. Avec grand plaisir, avec très grand plaisir. Bonjour à tous ceux qui sont avec nous du côté Behance sur behance.net/live/fr et bonjour aussi à ceux qui sont du côté YouTube sur la chaîne YouTube Adobe France à laquelle vous êtes évidemment abonnés parce qu'il y a plein de trucs à retrouver sur cette chaîne. On est en direct d'ailleurs et ça je le répète très régulièrement mais je pense que je vais continuer à vous le dire. On est en direct tous les jours à 14h, alors sauf lundi. Lundi c'était le 2 mai, c'était le jour où on se reposait pour fêter le 1er mai du dimanche. Et mardi, Pauline a entamé la semaine avec Jessica Daz, qui nous a fait des super personnages, un peu riso, papier découpé, etc., sur Photoshop. Tout à l'heure, j'étais avec Migne, de Origamigne, qui nous fait des mangas vectoriels directement dans Illustrator. Il nous a montré tous ses trucs et astuces, et il y en avait vraiment pour tout le monde, c'était très très cool. Demain, je serai avec vous pour une session Photoshop, comme d'habitude, tous les jeudis, c'est All About Photoshop, et vendredi, ce sera le retour de Stéphane Baril pour une session de charte dynamique, de charte graphique dynamique, donc comment aller un peu plus loin sur votre identité avec le Creative Cloud, vous allez en prendre plein les yeux, et ça va être très cool. Mais aujourd'hui, nous sommes mercredi, il est 16h, et je suis avec Kyle Webster. Bonjour Kyle, du coup. Bonjour, bonjour, et oui, je connais bien Stéphane, il est très cool, ce mec, j'aime bien, j'ai rencontré en France il y a maintenant 5 ans, 7 ans, je sais pas, combien d'années. Le temps vole, c'est une expression en français ça? On dit les mouches du temps en français. Les mouches du temps. Time flies. Super. Exact. You're lost. Non, on dit pas les mouches du temps. Il y a que les gens qui traduisent très mal l'anglais ou Google Translate qui disent ça. Donc on dit effectivement le temps file. Le temps file. Mouche, c'est un fly, non? Fly, and time flies. Ah, alors, voilà ton pun. Okay. Aujourd'hui, le mot que nous avons découvert avec Kyle, c'était calembour. Et ça, c'est ce que vous avez en off. Bien joué. Merci. D'accord. Donc bonjour à Unique, Martine, bonjour à Delphine, à Franck, Thierry, Laurent, Diatou. Bienvenue à tous. Kyle, qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui? Alors, tu avais dit avant avec... il s'appelle... comment les gens qui étaient avant moi. Avec Migne, avec Origamigne, ouais. Aujourd'hui, c'est le 4 de mai. Oui. Et c'est nécessaire alors, de faire des dessins des gens de Star Wars, des caractères de Star Wars. Obligé, parce qu'en anglais, on dit May the Force. Oui, c'est la loi. Et on va le faire. Et maintenant, il y a peut-être 10 ans que j'avais des dessins qui étaient viral, je ne sais pas comment dire en français. On n'a jamais traduit viral, mais qui ont très bien marché sur Internet. Oui, très populaire, vous pouvez les trouver partout. Il y a même des gens qui ont ces dessins sur les tatouages. Ah ouais. Partout, oui. Je ne sais pas, je ne sais plus combien de gens, parce que j'avais des emails pendant des années. Et c'est normalement Yoda ou Leia. C'est les deux que plus populaires. En fait, la semaine dernière, j'avais quelqu'un qui m'a montré un tatouage sur son... postérieur. C'est quoi l'ankle? Pas postérieur, non. La cheville. Cheville, oui, voilà. De Léa. Et c'était très bien fait aussi, l'artiste qui l'a fait.
Exactement comme mes marques originales. Et je vais essayer de utiliser ce style pareil, pour dessiner un peu pour vous. Et peut-être je vais changer, mais on va voir. On va voir. On va juste s'amuser avec Bah ce écoute, style-là. avec grand plaisir. Du coup, c'est le moment où je partage ton écran. Oui. Allez, on est parti. Alors, en plus, il y a déjà quelqu'un sur ton écran, ça va faire plaisir à tous les fans de Star Wars. Et on voit maintenant notre ami Han Solo. Qui est tout seul d'ailleurs. Oui. C'est session sans filtre. Oui, très bien fait. Je vais dessiner Solo avec ce style qui est très simple. Et c'est comme ça, je fais des lignes très fluides. Et il y a des moments que je laisse ouvert des espaces entre les parties du corps et tout ça. Je ne connexion ou finis pas tout le temps les lignes pour faire des connexions. C'est un style que j'ai trouvé quand j'étais en train de faire des dessins, des figures, Des des personnages. corps nus. C'était pour un exercice. J'avais un blog qui s'appelait The Daily Figure. Et si les gens qui regardent maintenant, si ils allaient voir, Sur ton ils blogspot. vont aller voir ce site, thedailyfigure.com, je crois. Alors moi j'ai dailyfigure.blogspot.com. Voilà, ça marche. Tu vas voir aussi les dessins de Star Wars là-bas. Et aussi de Harry Potter et les autres choses. Et je vais le faire. Et c'est un style, je fais pas des esquisses, je dessine directement. Et si je fais une erreur, je corrige. Et voilà. C'est comme ça. OK? Ok, ça me va. Je vous ai mis le lien du Alors. Daily Figure si vous voulez retrouver. Merci. Alors. Et c'est un peu rapide aussi. Parce que je trouve que quand je fais des décisions comme ça, plutôt les résultats sont mieux, mais pas toujours. Mais oui. Tu vois, j'ai changé quelque chose là. Et voilà. J'ai jamais essayé de parler pendant que je dessine comme ça. Tu dois être Normalement, très très concentré sur le trait. oui. C'est Ouais. normalement quand on fait nos lives. C'est plutôt sur le sujet des brosses et tout ça. Et comme tu vois, ce style-là, c'est simplement le brosse rond. Vraiment classique. Avec très peu de Oui. réglages dessus. C'est le plus c'est le brosse le plus Le plus simple. et vieille aussi, non? Ouais, c'est possible, ouais. Oui, parce que c'est vraiment les basiques avec juste du trait, de l'épaisseur. Je crois que c'était le premier en Photoshop. Et je ne sais pas exactement comment c'est son gun. Ce n'est pas comme ça. C'est quelque chose comme. Je n'ai pas de photo de son. Son Plutôt comme blaster. ça, non? Il est plus épais en bas, tu sais. T'as la gâchette et ça descend même au niveau de la première du deuxième doigt. Ouais. Et le canon est plus court. Alors ceci dit, il y a plusieurs versions, mais. Quelque chose comme ça, je sais pas. Y a quelque chose. C'est pas tout à fait ça. J'espère qu'on n'aura pas des érudits Star Wars qui vont nous dire non, plus grand, plus Ah petit. bah oui, il y a toujours ces Oui, mais ils gens sont pas et chez nous j'étais pas aujourd'hui. Ils sont pas dépaysé. là. Attends, attends.
Alors, on va faire ça. Alors, ceci dit, s'il y a des fans de Star Wars parmi nous, aujourd'hui j'ai vu le film réalisé par le collègue Robert Rosinski, qui travaille sur la chaîne, qui est motion designer, qui bosse avec l'équipe allemande, et ils ont fait un super film de Star Wars qui s'appelle E11, donc E11, sur le unboxing des produits sur l'étoile noire. Pour les fans de Star Wars vont apprécier, je pense. C'est assez cool. Ça s'appelle E11 Standard Issues. Et ça parle de quoi exactement? C'est sur les. Ça parle de la vie sur l'étoile noire et comment les Stormtroopers enfin, se font livrer du matos. Mais faut le voir. C'est relativement court, 8 minutes. Ah. Y a eu un trailer qui est sorti il y a quelques jours avec la douce voix de Jason Levine. Ah. Donc à regarder absolument. 8 minutes en anglais, tout va bien. Il y a des sous-titres. J'ai pas regardé si les sous-titres étaient disponibles en français. France aussi. Oui, si ça marche. Ça marche très bien en français. Donc ça, c'est vraiment pour les fans ultimes. Par des fans ultimes. Pas des fans, par des fans ultimes. Pour des fans, par des fans. Oui. C'est sur YouTube, tu C'est as sur dit? YouTube. Ouais. C'est sur YouTube. Je vous ai mis le lien. Alors moi, je vois deux trucs dans cette manière de dessiner. Je vois évidemment Hugo Pratt. Ah, j'adore Pratt. Oui. Et ça, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Et après, je vois aussi un. Alors, c'est pas le cas parce que tu lèves la main quand même. Un illustrateur qui s'appelle Kib, qui faisait des dessins en un seul trait. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Beaucoup de Connais visages. pas, mais c'est vrai que dans ce style-là. Souvent, je fais des lignes qui continuent, et j'essaie de faire des connexions avec une seule ligne et tout ça. Je trouve que c'est très, très fluide et, oui, j'aime bien. Tu sais, et des fois, je vais faire des choses comme ça. Je vois que je peux changer parce que on travaille dans un. Un canon plus court, un bras plus court. Je peux faire ça et je peux Ah, changer. bravo, comme tu as triché. Oui. Écoute, Cool, non? magique, ouais, carrément. Et voilà. OK. Donc ça, c'est le premier. Oui, ça marche comme ça. Nice. Et tu peux même faire... Unique Marine qui nous dit, mais c'est fou cette maîtrise, la pose est super dynamique. Eh oui. Merci. Eh oui. Crico nous dit, comme ça, on dirait l'émission il y a longtemps, Gribouille. Gribouille qui était une émission de dessin à la télévision. Et à qui on demandait justement, mais qu'est-ce que tu vas nous dessiner aujourd'hui, Gribouille? Est-ce que tu as connu ça? Non. Ribouille. Gribouille, ouais. Ribouille. Gribouille. T'as dit que c'est quelque chose sur le télé? C'était une série d'animation de 1976, et ça date de L'île aux enfants. Donc ça date un petit peu. Pour avoir vu Gribouille en 76, il fallait être né au début des années 70. Et c'était un espèce de personnage un peu patatoïde, avec de gros yeux qui dessinait. C'était très drôle. Est-ce que c'était quelque chose qui venait de Japon, Même pas. originalement? Non, même pas. Non, pour le coup, c'était très français à l'époque. Non, je ne connais pas. Ben écoute, mais moi j'ai pas regardé non plus. Hein. C'était 76, c'était fini quand j'ai commencé à regarder la télé.
Écoute. Voilà. Premier. Ah! Un. Premier. Et de un. Et on a Luke aussi. Yay. Et pour Luke, qu'est-ce que je peux faire? J'essaie de voir, Visualiser, oui, visualiser un pose. Et après, ouais. alors, et aussi, si les gens dans le chat, s'ils ont des Ah. idées, c'est Des cool idées sur la toujours pose ou de... des idées sur le personnage qu'ils attendent? Oui, les personnages aussi, oui, Ouais, donc n'importe. vous nous faites signe. Si vous avez un personnage Star Wars auquel on n'a pas pensé, c'est le moment. Si vous avez une pose précise, une situation qui vous intéresse, c'est le Je vais lui moment de. montrer. Maintenant, j'ai Solo, j'ai Yoda. Et Yes. ça, c'est simplement pour voir ses Ses vêtements, parce que vêtements. je sais pas comment. C'est plutôt de la référence que de la pose. On a cette version de Luke aussi, de Return of the Jedi. Et Leia. Avec les pains au raisin. Avec quoi? Les pains au raisin. Tu sais, un peu comme des croissants. C'est... Oui, ok. Horizon, c'est ça. C'est très français de parler de nourriture quand on parle de Star Wars, mais. Mais c'est tout ce que j'ai maintenant. Ouais, j'ai pas Vader. T'as pas de Vader? Est-ce que t'as des Jawas The qui sont perdus? Est-ce que t'as des. Emperor. Oh oui, les Jawas. Ah, j'ai jamais fait Jawas. Les Jawas Alors, Jurabaef. Luke. Et pendant ce temps-là, je continue d'essayer de faire venir les gens depuis Twitter et tout, leur rappeler qu'il se passe plein de choses ici. Je leur mets des petits extraits de la session pour leur donner envie. Pardon. What's Je me concentrais. J'ai happening? pas Non. entendu ce que Non, tu as t'inquiète, dit. t'inquiète, t'inquiète, Très désolé. j'anime tranquillement. Ok. Le maître dessine, le silence plane. Je suis désolé. Normalement, je parle un peu plus que ça, mais oui, c'est vrai que c'est un peu dur de dessiner comme ça. C'est le style, je crois, que je trouve. C'est un peu un challenge. Ça demande beaucoup plus de concentration que ce que tu que la Oui. manière dont tu travailles d'habitude. Oui, parce que normalement, oui, j'ai fait des esquisses. Oui, j'utilise des brosses et tout ça. Et c'est juste un peu différent. Et je suis un trance, tu vois? En transe sur le dessin. Oui, quelque chose comme ça. Yasmine nous demande un petit Stormtrooper, forcément. Ah oui, j'ai jamais fait ça. Et pourquoi? Je sais pas. Ah, bah oui. Ok, on va faire ça, non? Je vais juste trouver référence, tu sais. Ça se trouve. Une image. Est-ce que tu peux entendre le violon dans Non du tout. le... Ok. Et du violon par chez toi? On n'a pas ça ici. Violon, pardon.
Non, c'est mon fils qui joue maintenant parce qu'il n'a pas d'école aujourd'hui. Et c'est un teacher work day. Marine qui nous dit non, mais c'était pas une critique, hein, on est surtout attentif et c'est très bien. Alors Yves nous dit, je sais pas si je suis le seul, mais je trouve que c'est difficile de dessiner petit sur une Wacom. Ça dépend du modèle. Oui, tu as raison, peut-être. Oui. Je suis toujours en train de faire ça, tu sais. Zoom in, zoom out. Oui. Pour contrôler la ligne, Ouais. la ligne, le ligne, La la ligne, ligne. la ligne. Pour contrôler la ligne, je trouve que des fois, c'est nécessaire pour moi de d'être plus proche, ou plus large, plus je dois zoom in. Sinon, j'ai fait des erreurs, oui, parce que comme ça, oui, c'est très 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 petit. Je sais pas. Moi, je sais que une des problématiques justement de précision sur les tablettes, tu sais, c'est que les tablettes se sont améliorées beaucoup, beaucoup chez Wacom avec le temps. Et Oui. à l'époque, on te disait, tu as 256 niveaux de pression. Et puis après, il y a eu 1000 niveaux de pression. Et maintenant, il y a 8000 niveaux de pression. Et les gens te disent, mais j'ai pas besoin de 8000. Mais on a surtout Exact, besoin oui. des 10 du début qui vont te permettre d'avoir vraiment de la finesse. Sur la manière de lâcher le trait. Je crois que la raison pour ça, c'est parce que il n'y a pas qu'ils peuvent vraiment changer avec la technologie. Alors, la seule chose qu'ils peuvent changer, c'est d'ajouter des niveaux de sensibilité chaque année, tous les 2 années ou quoi, les 2 ans, pardon. Et à part ça, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses qui ont changé depuis peut-être, oui, 2005. Ouais. Ah, sauf les Les épaisseurs des stylets, peut-être? épaisseurs, voilà, de verre, non? Ah, de La surface. la surface de la tablette en elle-même? Oui, parce qu'avant, avec les Cintiq, c'était très épais, et moins, 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 et maintenant, sur les nouveaux, c'est vraiment très, très maigre. D'accord. Ouais, j'ai jamais. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Ouais, c'est bien ça. D'où l'intérêt de zoomer. Et on a reçu Guillaume Poitel il y a quelques temps qui nous disait que lui, il était obligé de s'interdire de zoomer pour ne pas mettre trop de détails dans le dessin. Sinon, il détaille beaucoup trop son dessin. Qui? Guillaume Poitel, Guillaume Pilote, qui était avec nous il y a quelques semaines. Ah, je ne connais pas. Alors, il a dit que c'est difficile pour lui de simplifier des. Alors, si zoom, tu sais, 200%, Ah, 400%, oui, bien il sûr, rajoute trop oui. de détails, et après, quand il s'éloigne, il se rend compte qu'il a chargé pour rien. Oui. C'est un problème, ça, avec beaucoup, beaucoup d'artistes qui commence à travailler Numérique. numérique, oui, bien sûr, parce que ils oublient que à la fin, la taille qui n'est pas si grosse que ça, et vous avez des détails que vous pouvez même pas voir. Et aussi, c'est un peu, comment dire, j'aime pas comment ça I don't like looking at drawings like that. Je préfère que, quand c'est possible, je préfère la simplicité, toujours. Tu vois, je vais changer d'avis ici.
Je peux faire n'importe combien de N'importe quel nombre de squiggles. traits comme ça pour voir si lequel va mieux fonctionner que l'autre. Oui, parce que c'est un exercice de design. C'est juste pour voir est-ce que j'aime bien le design de ces lignes, tu vois. Alors, on peut faire ça et ça. Il y a plein d'options. Et ça, difficile à décider. Pas simple de choisir. Mmh-mm. Et pour rester dans la discussion de tout à l'heure, c'était Saint-Exupéry qui disait la perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Ah, Petit Prince. Exactement. Lui-même. J'ai rencontré quelqu'un qui, je ne sais pas quand c'était, mais ils m'ont dit, ah, je déteste ce livre. J'ai dit, mais pourquoi? Ah, c'était pas intéressant, c'était trop lent. Lent, il fallait Lent. lire plus vite. Ah. On peut pas apprivoiser un renard rapidement. Quoi, rapidement? On peut pas Quoi? apprivoiser To Tame a Fox. Ah, oh, ok. Ça peut pas fonctionner comme ça. Il faut parfois laisser le temps aux choses. Mais je pensais que tout le monde adorait Écoute, pour l'instant, j'ai encore Petit rencontré Prince. personne qui n'aimait pas. Après, je ne sais pas si les gens l'ont vraiment lu, relu. Mais est-ce que c'est toujours un bouquin que les enfants ils lisent à 10 ans, 11 ans, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu plus âgé mais... Je sais pas du tout, moi je sais qu'à mon époque, oui. Mais ça commence à dater un petit peu. Et comme on a ici la génération Gribouille, la génération des anciens d'avant le Club Dorothée, je sais pas. Les anciens, forcément. Quelqu'un a dit Stormtrooper. Ouais, il faut une référence. Je vais juste trouver rapidement référence pour ça, d'accord? Et alors, attends, excusez-moi. Stormtrooper. Ah, ok, cool. Wow. La Le masque, masque, ouais. compliqué. Le masque est très compliqué, hein. Il n'est pas très efficace. Le masque de Mandalorian est plus cool. Oui. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est Oh, wow. Trop petit. un petit Stormtrooper. Happens. OK. Stormtrooper. Alors Delphine me dit qu'elle a lu, elle a relu, elle l'a même illustré il y a longtemps.
Je ne sais pas si illustrer, ça veut dire qu'elle l'a illustré en plus pour elle, pour des travaux, ou si quand elle était petite, elle dessinait sur ses livres. Et là, c'est mal. Yasmine l'a lu en primaire il y a presque 20 ans. Et Marine nous dit, comme le dessin, il faut du temps. Oui. Ah, le temps. Deviens philosophique aujourd'hui, non? Un petit Aujourd'hui, peu. ouais, on est complètement, ça glisse complètement. On a eu toute notre discussion sur les dessins animés des années 80 avec Migne tout à l'heure. Là, on est reparti sur sur des lectures et des bouquins, des styles et tout, c'est très bien. Et comment c'est fait le... C'est comme des lunettes de soleil, un peu. Qu'est-ce qu'ils ont aussi de... Est-ce qu'ils ont des détails comme ça? Il y a des petits détails, ouais. Mais après, ils ont fait un peu évoluer un tout petit peu les masques, donc c'est pas très grave si c'est pas exactement le... Je suis en train de regarder encore le... Ah, ça marche. Encore, c'est l'idée, c'est de... Si c'est possible de garder un peu de simplicité dans le dessin. Et c'est ça que je vais essayer de faire. J'ai pas utilisé beaucoup de noir dans les autres. Mais si tu regardes les dessins que j'avais faits originalement, j'ai utilisé un peu pour chaque personnage, je crois, sauf peut-être Luke et Leia. Mais je me rappelle que j'ai utilisé pour Han Solo et les autres. Mais je dois voir comment c'est en arrière pour la masque. Ah voilà, j'ai trouvé une image qui est mieux. Ok, ici, c'est beaucoup mieux ça. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent dessiner ces choses par... De mémoire. De mémoire, exactement, oui. J'ai un ami qui s'appelle John Hendricks, qui a fait un affiche qui s'appelait quelque chose comme Toutes les choses que je peux rappeler de Star Wars. Et il a fait sans référence, sans des images, sans des photos. Et c'est super drôle parce que c'est en même temps... très accurée ou précise, comment dire, correct, c'est très correct, mais en même temps, c'est un peu incorrect. Quand il y a des choses qui sont presque correctes, mais pas C'est ça, ouais, c'est... parfaites. Et pour ça, je trouve que c'est un peu mieux que... Que d'avoir trop de références. Oui. Alors, si vous voulez, Il y a John beaucoup de Hendricks, personnalité. Star Wars from Memory. Tu trouvais? Ouais, bien sûr. Peut-être tu peux partager parce Tout que à fait, je ouais. trouve que tout le monde va très bien aimer.
Je joue très bien maintenant, mon fils. Je ne sais pas entendre. On n'entend pas du tout, mais il faut le féliciter. Ah, c'est dommage parce que c'est impressionnant. Alors Franck nous dit, je sais pas si je peux le dire, mais j'ai jamais aimé Le Petit Prince. Ah, il y a des gens que j'aime pas, qui aiment pas, pardon. Eh ouais, tu Ah, vois. mais. Et Laurent nous dit, je me souviens pas l'avoir lu, j'en ai vu des adaptations, pourtant j'étais dans un collège Saint-Exupéry. Il y en a quelques-uns des comme ça. Delphine nous dit, j'avais refait tout le livre, c'était pour faire un cadeau. Meilleure motivation. L'autre livre que je crois qu'il y a des gens qui l'aiment et des gens qui détestent, c'est de Paolo Coelho. Ah oui, le chimiste. Oui. J'aime ça, ça marche. On est pas mal, hein. Quand je fais ça, j'utilise la brosse comme un gomme. Et pour faire ça, faut. Ah, ben en France, ça marche pas. Je sais pas où. Avec le clavier, Avec le non? tilde, on n'a pas ça. On n'a Oui. pas ça, il faut Ah. apprendre le raccourci avec le E qui transforme ton pinceau Non. en eraser. Je sais, Ah, c'est dommage, très dommage. frustrant. Je suis désolé. Mais est-ce que c'est possible de... De mapper ces touches-là? Non, il n'y a pas cet outil magique. En tout cas, pas à ma connaissance. C'est pas juste. C'est pas faux. Non, je suis désolé. On va Ah oui, tous c'est passer en pas cool clavier ça. QWERTY. Quoi? On va tous repasser sur un clavier QWERTY. 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 Oui. Quand j'étais en France, je ne me rappelle plus si j'ai changé le clavier pour moi ou si je l'ai laissé et essayé d'apprendre comment utiliser. C'était en 96. Je ne me rappelle plus. Alright. Et maintenant, je vais retourner à ça. C'est l'original, ça, je trouve. Premier Star Wars. C'est ça, avec des vrais costumes avec des morceaux de plastique repeints et tout, Oui. avec les effets spéciaux qui étaient des effets spéciaux réels. J'ai entendu pour les blasters, les fusils, ils ont trouvé un ligne de téléphone Ok. et tapé avec un Ah, taper sur du métal, sur une grande feuille de métal pour faire les sons. sur le le wire avec un microphone très très fort et ça fait le son que tu entends dans le film. Ils étaient très créatifs. Ah, mais ça, c'était tout la grande époque des folies. Oui. À Jerrycan nous l'époque. dit que c'est la Ah, première fois pardon. qu'il nous suit. Il y a Jerrycan qui nous suit pour la première fois aujourd'hui, tu Ah, salut, bonjour. vois. Pardon, du coup, je t'ai interrompu. May the fourth be with you, guys. Je vois qu'il a compris le thème. Oui. Ah. Je sais pas comment j'ai fait ça. T'as vu?
C'est étonnant. Juste pour une seconde, j'ai vu les couleurs. C'est un shortcut que j'ai vu avant. Je sais que ça a En fait, quelque c'est chose à faire avec le clavier, Ctrl mais... Alt Espace qui te permet de choisir la. En fait, Ah c'est des bon. trois touches Ctrl Alt Commande sur le Mac qui te permet d'afficher l'ensemble des couleurs. Donc Ctrl Alt normalement il te permet de donner le comment on dit la taille du pinceau quand tu es avec une brosse, mais Oui. Ctrl Alt Commande en fait, c'est les trois touches. Ah, voilà. Voilà. Et en fait, la touche espace, tu peux la rajouter pour bloquer. Par exemple, si tu aimes une teinte saturation et que tu veux changer la couleur, Oui. ça t'évite d'aller te promener dans le teinte saturation. Ah. C'est très très inconnu, un petit raccourci inconnu. Mais Photoshop est plein des choses comme ça. Très, très, très inconnu parce que c'est énorme comme application et c'est impossible à savoir tout ce qu'on peut faire avec. Impossible. C'est parce que ça fait longtemps que t'as pas parlé à Stéphane. Il est là, Stéphane? Non, pas aujourd'hui. Il sera là vendredi. À vendredi, pardon. Mais lui, il connaît presque tout. Je crois, hein. Je suis pas sûr, mais je pense. Oui. Et tu vois, je peux laisser comme ça. J'aime bien. Laisser les parties ouvertes, c'est intéressant pour moi. Et ouais, j'aime très bien faire ça. Ouais, parce que t'as pas besoin. Enfin, on arrive à deviner la fin de la forme. Exact. Ton esprit va compléter On là. peut le faire avec nos yeux? C'est normal de faire ça. On veut finir ces formes avec nos yeux. Alors ça, ce n'est pas nécessaire de les marquer sur la page. Ah oui, fini, non? Mais pas mal, Et maintenant, Yoda, est-ce qu'on a le temps? on a le temps, il est 44. Okay. Voilà. Et tu es Yoda? Non. Yoda. OK. Je dois juste comprendre comment c'est. Et ses vêtements, Comment il je est dois les habillé, voir. ouais. Ouais, habillé. Et je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est bien, c'est bien fait. C'est évidemment, hein, c'est digital, c'est numérique. Photoshop, je crois. Je peux voir les marques, les brosses et tout ça. C'est bien fait. Et pas l'artiste, dommage. Y en a Désolé. quelques-uns, hein. Ouais, mais on peut trouver. Regarde, je vais te Ah oui, trouver j'espère ça. que oui, j'espère, j'espère. C'est la grande magie des références, des Pinterest et autres, où on trouve des trucs, mais on a du mal à les identifier. Oui. Alors.
Ah, il a combien de... Deux, non? Non, non, Et normalement, voilà. il a moins de doigts que... Ouais, c'est ça. Il a moins de doigts que Mickey. Voilà. Ian McCaig. Ah, Ian McKeag. Ah, bah, il est très bien connu, lui. À fait. Waouh. Il est fameux. Alors, je suis surpris parce que quand on tape Yoda, Ian McKay, je retrouve pas exactement ce visuel-là. Ah si. Ian McKay, c'est sur Star Wars The High Republic avec le jeune Yoda. Ah oui, il est un peu jeune, un peu plus jeune que normalement. Oui, je vois ça. Ici, est-ce que je vais... Ouais. Voilà. Yasmine nous dit, il est magnifique ton Stormtrooper, il a trop la classe. C'est Ah, wow, merci. impressionnant. Wow. Merci. Ah, non, je ne pense pas. Jerry Khan qui nous demande est-ce que Kyle est fan de la saga Star Wars? Est-ce que Franck aussi? Moi j'aime beaucoup, ça m'amuse beaucoup. Après de là à dire fan, je suis pas sûr. J'ai grandi avec. De là à être fan. Genre j'ai pas toutes les répliques par cœur. Je suis pas intransigeant si on se trompe sur du vocabulaire, un personnage, une attribution, c'est pas très grave. Moi, j'ai pas vu les films avant que j'avais peut-être 6 ans quand j'ai vu le premier. J'ai vu Return of the Jedi dans le cinéma, au cinéma, qu'est-ce qu'on dit dans le Ok, cinéma? au cinéma. Au cinéma. Et c'était incroyable de voir quelque chose comme ça à 8 ans. J'avais 8 ans, je crois. Mais avant, j'avais seulement les bouquins pour colorer, tu sais. Ah, ouais, les coloriages. Ouais. Mes parents, ils m'ont acheté des bouquins pour colorer. Alors j'ai connu déjà les histoires parce que dans ces bouquins, ils ont raconté l'histoire des premiers deux films. Alors, quand j'avais 4 ans, 5 ans, j'ai dessiné, j'ai coloré, tout ça, j'ai fait des dessins des personnages de ces bouquins. J'avais pas des jouets. T'avais aucun jouet Star Wars, il n'y avait pas le merchandising autour. J'avais pas ça, mais maintenant, est-ce que tu peux voir Yoda là-bas? Ouais, il est tout petit. Attends, une seconde. C'est le moment d'aller explorer la bibliothèque de Kyle. Ah bah voilà. Comme ça Mes on le voit parents, ils m'ont bien. acheté ça quand j'avais 6 ans, peut-être, juste avant que j'ai vu les premiers films. Et c'est un puppet, comment dire. Marionnette. Bravo. Et c'est de l'année, c'est marqué 81.
81, oui. Ça date, hein. Ancien. Moi, c'est moi qui est ancien. Les journées quand oui. Je me sens un peu ancien. Tant que ce ne sont que Alors. quelques journées et pas tout le temps, ça va. Pas tout le temps. C'est ça l'important. Christophe demande si Franck est plutôt fan de Louis la Brocante. Non, pas vraiment. Je connais pas. Non plus. Enfin, je connais, j'ai vu passer à la télé, mais c'est pas. Et j'ai oublié de remettre ton écran, dis donc. Ça fait 2 minutes que tu dessines et personne ne sait comment avance le. Comment avance Yoda. Ça va, ça fait pas vraiment 2 minutes, ça fait 1 minute 10. Ça va? Ça va toujours. Cette partie-là, je trouve que c'est un peu. Ça va, mais c'est pas exactement ce que je veux. Et du coup, c'est quoi? Tu redessines, dessiner, redessiner, redessiner, c'est ça? Oui, normalement, quand j'ai beaucoup plus de temps, je vais essayer des. Différentes formes. Ouais. Jerry Can nous dit Very impressed by this puppet, I am. Je me risquerai pas à vous faire une imitation de Yoda. J'ai pas bien travaillé mon Yoda. Ouais, c'est pas facile de trouver le bon truc. Hein. Non. Le mec qui faisait la voix de Yoda, c'est le même qui a fait Miss Piggy. Tu Effectivement, connais il y Miss a un Piggy? air. Ouais. Tu me pètes chaud? Frank Oz, oui. Oui, Miss Piggy et aussi Fozzie Bear et deux autres. Ah, j'aime pas ça. Non, on dirait un rhinocéros. Vais laisser comme ça. Et je vais changer cette partie-là. Voilà. OK. Comme ça. OK, ça va. Nice. Foreshortening. C'est toujours quelque chose. Ah, je sais quoi faire. La fameuse partie ombrée. Ouais. OK. Des fois, il faut simplement avoir des ombres, des parties qui sont noires comme Plus ça, et contrasté. ouais, ça marche beaucoup mieux. OK, ça Laurent va. nous dit, c'est étonnant de se servir d'une référence et de dessiner sous un angle totalement différent. C'est top de voir Kyle à l'œuvre. Oui. Ah, oh, wow, merci. Des fois, ça marche, des fois, c'est un peu plus difficile. J'ai de la chance là. Et voilà, ok, on Il y en va a quoi? regarder. On a Yoda, Ok. on a un Stormtrooper, on a Luke, et on a Han Solo. Nice. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Sur 1 heure, vous avez vos 4 personnages de Star Wars prêts à faire les nouveaux tatouages. Oui, peut-être Stormtrooper. Il est très, tu sais, il a une pose très fashion.
sur le catwalk. Sur le 4 là. I am too sexy for my. C'est exactement ça. Bah écoute, merci beaucoup à toi. Merci à tous qui étaient avec nous dans le chat. Si ça vous a plu, c'est le moment de le dire, c'est le moment de liker, c'est le moment de d'envoyer le lien de cette session à tous vos amis pour leur dire que c'est cool. N'hésitez pas à nous retrouver demain. On sera sur une session Photoshop tous ensemble. Jeudi, donc All About Photoshop, et vendredi, on sera avec Stéphane Baril pour sa session, comme je vous l'avais annoncé en début de live, sur la charte graphique dynamique. Donc, on va parler de bibliothèque Creative Cloud, etc., etc. D'ici là, ben, travaillez bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Kyle d'être resté avec nous durant cette petite session. Et à très bientôt. Bye bye. Ciao, bye. Merci.